Eh bien bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans les nouveaux héros, dans Kingdom Hearts 3 plus précisément. La grande ville. Un des Sora, c'est un enfant. Et donc ce film est après le... Après le film. Enfin, ce jeu est après le film. Et du coup, c'est canon, il me semble. Donald, t'es terroriste. En avant. Je me souviens même plus de leur nom. Baymax, je me souviens. Ça, c'est Hiro le héros. Has caused a mild concussion. We should take caution and not move her until we can fully stabilize her head. Got it. Oh, cool! Ça passe par cool, ça. Il allait te prendre très cher. Ça, oui, c'est cool. Hello. I am Baymax, your personal healthcare companion. Oh! Wow! Cool! This rules! Sora, remember our other problem? Sora est devenu un adolescent, genre il est sur son portable, il adore les robots. Il fait bien. Hey, who are you? Oh, I'm Sora. And I'm Goofy. En avant. Name's Hiro. You mind helping us fight those things? Our team's called Big Hiro 6. Sure. Ça me fait tellement pas. Notre équipe, c'est les nouveaux héros. Mais c'est pas ouf. Genre, c'est comme les nouveaux commerçants, c'est pas ouf. Mais en anglais, c'est Big Hero 6, donc c'est mieux. Enfin, peut-être. Je sais pas, entre les nouveaux héros. Oh, y a difficilement pire en fait. En tout cas, stylé. San Francisco. Waouh. On va pouvoir voler dans la ville avec Baymax. J'ai hâte de voir ce que ça donne en vrai. La Keyblade aussi de ce monde doit être pas mal. Faudra voir à quoi elle ressemble. En avant! Dernier monde normalement avant la fin. Ok, on est parti. Faut juste esquiver, bon voyons. Pas besoin. J'ai oublié d'équiper la Keyblade qui perd des Caraïbes sinon, donc pour l'instant on l'aura pas. On fera 100. Cette musique de combat techno. Je monte le son. Enfin, de moi, pour moi, mon son. En avant, nous aussi on a des machines. C'est vrai qu'on sait pas, genre Sora il vient de quelle époque parce qu'il sait pas ce que c'est qu'un portable. Mais en même temps, ça se trouve c'est juste parce qu'il vit sur une île. Ah, c'est fini? Oh, des tourelles, ok. Oh, sur tout le pont. Ok, je pense voir ce qu'il va falloir faire. Oh, bien joué ça. Voilà, je me doutais qu'il allait y avoir quelque chose comme ça. C'est parti. Ah oui, c'est devenu un FPS. Kingdom Hearts 3 version FPS. En avant. Est-ce que vaisseau laser? Ouais non, on fera un vaisseau laser plus tard. Hop. Hop, et puis ceux-là, j'ai failli les oublier. Oups, on n'a rien vu. C'est pour ces situations-là que je suis en seconde forme. Ok, tac. Pas exactement ce que je voulais faire, mais pareil, ça passe. Voilà. Voilà. Hop. Et c'est fini. C'est fini pour vous. Ça remplace un peu le monde de Tron, ce monde, vu que c'est un peu la technologie et tout. Ok, ça par contre, on l'a fait. Ok, je vois. Je vois. Oh, la musique! La musique! Cette musique, genre, juste épique. C'est une qui avait de base dans Kingdom Hearts 2, encore, mais là elle est beaucoup plus épique. Regardez ses points de vie, ça se voit quand on arrive à la fin du jeu, quand même un mini boss a autant de points de vie. En avant. Moi je sais jouer avec des yo-yo. En avant, faut qu'on le vise. C'est parti.
L'attaque des yo-yo sacrés. Pef. Oh là, il va prendre cher. Boum. Hop, 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 hop. La puissance des yo-yo. Yo-yo jumeau. C'est leur nom. C'est pas ouf, je sais. Mais on fait ce qu'on peut, écoutez. Ok, il passe en armure. Ça faisait quand même un moment qu'on n'avait pas affronté. Enfin, depuis la Reine des Neiges, en fait. Ouais, c'est vrai que on avait affronté un Hercule. Ouais, en fait, j'aurais dû dire ça la dernière fois que ça faisait un moment. Parce que c'est vrai que depuis la Reine des Neiges... entre Hercule et la Reine des Neiges, il y a eu un grand moment. Alors que là, entre la Reine des Neiges et maintenant, bof. Ok. Et... tac. Parfait. Oh là 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 là. Oh, c'est stylé, regardez-moi ça. Le pauvre, le pauvre. On n'est peut-être pas des super-héros, nous. Pas encore, du moins. On est puissant. Oh, aéronef de combat. Sur Baymax, carrément. Et donc, on peut frapper. On peut taper des esquives. Et on peut tirer. Oh oui, c'est pas mal. Et c'est quoi l'ulti? C'est Baymax Punch. Ok. Ok, ok, ce monde commence très 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 bien. Je regarde l'heure. Hop, faudrait pas que je sois en retard. J'ai un live quand même à faire après. À moins que je le fasse demain. Non, je suis censé le faire aujourd'hui. J'avais oublié quand je le faisais. Des monstres étranges attaquent la ville. People like spectacle, not truth. Yeah, who needs quality reporting? You can just make stuff up. C'est tellement vrai. Genre 100%. Can they see how awesome we were? Sure, those things landed a couple of good hits. But we had chem balls and laser hands and fire breathing. Well, it really didn't matter. They beat us. Non, on a gagné. Where did they come from? Well, why don't we ask the guys who actually stopped them? Hiro, you never introduced us. Oh, right. Well, this is the gang. That's Gogo. Mm. He's Wasabi. Wasabi, sérieusement? That's Honey Lemon. Hello there. Et lui c'est qui? Je ne sais plus. I'm Fred. Don't be alarmed. This is not my real body. Good. For a second, I thought this was the monster. Je crois qu'on était dans Monster et Compagnie. Oups. Those three Sora, are... non. Sora, Donald, and Goofy. Huh? C'est pas qu'il fasse des références à d'autres films. Il le fait pas non plus d'habitude. C'est pour ça que c'est fun. Keyblade Hero 3. I am detecting minute contractions in your faces and shoulders, perhaps due to the garage's brisk temperature. To remedy that, I will give each of you a hug and warm you with my internal heat source. Why did you say that? Sora, you know Donald and I don't have keyblades. Oh, dommage d'ailleurs. Are we heroes or aren't we? Je pourrais avoir une keyblade bâton magique et une keyblade bouclier, dingo. Tell us how you managed to take them down. Hmm. They're called the Heartless, and they're drawn to the darkness inside people's hearts. Ooh, now we're talking. Light versus darkness, classic conflict. So what? Calm down, Fred. What? This is serious. Very serious. We don't have any way to fight them. Wait, so we're just gonna give up? With our current skill set, my analysis places our chances at 0.00000. Yep, we get it, Baymax. Ouais, en fait, c'est mort pour vous. Par contre, pour nous, hey, don't sweat it. C'est 100%. The three of us will go take care of the Heartless for you. Right? Donald? Goofy? Wait. We're going to. It's okay. We got it. Mm-mm. We have to help. My brother would have. Yes. Yeah. C'était triste en vrai, ça, le mort de son frère dans le film. Spoiler. But don't we need a plan? We train up. When heroes are brought low, they get new powers. It's Shugyo time. Did you read that in Geek's Quarterly? Fred's actually not wrong.
I may have an idea. Il se prépare pour Naruto pendant un moment, je sais pas ce qui s'est passé. Waouh. AR device? Réalité augmentée. Cool, huh? It creates a CG overlay that augments your vision. While you wear it, this device sees everything you do and logs it. Huh? Et ça sert à quoi? You put it on your face. Moi, je veux savoir aussi. What? Heartless! Donald! Goofy! Are you okay? There's no Heartless here. Huh? What? Whoa, chill, Sora. Just take the AR device off. Et pourquoi il y a un sans-cœur? Wow! I have no idea how you're doing it, but this is cool. Thanks. But so far the map data only covers San Francisco. I need to expand it. Now can we Shugyo? Not yet, Fred. He's still learning. Yu-Gi-Oh! Sora, all you need to do is run through some courses that Hero scripted. Like a mini-game. C'est un mini-jeu. C'est un mini-jeu. Ils vont me faire faire un mini-jeu. I guess Shugyo's like training. That's a good idea. We could probably use the practice. Speak for yourself. I can Shugyo by installing new combat data. Huh? Hey. D'accord. Let's just try it out. Maintenant, je sais que Shugyo veut dire entraînement, apparemment. Ok, bon, on doit faire un mini-jeu, casque de Hera, ok. Mais je comprends pas exactement à quoi ça sert, à part à mettre des faux sans cœur. Regardez-moi ça. Sora qui a un petit truc. Bref, avant ça, après une pirouette réussie. Pas mal. On va désactiver tous les boosters, excepté booster food, parce que c'est bien. Et on va prendre les nouvelles compétences. Ça fait quoi? Ajoute un tir visé spécial qui ne coûte pas de concentration à votre répertoire. Ah, d'accord. Oui, je dis oui. C'est parti. Ok. Ok, et on va devoir faire le mini-jeu. Apparemment, on n'a pas le choix. Ok. Bah, let's go. Allons-y. Allons-y. C'est l'heure de faire les courses. Les courses. Enfin. Pas les courses, de faire des courses, genre, mais pas, bref, pas dans un magasin. Je vois venir les gens dans les commentaires qui ont fait faire les courses, je comprends pas. Oui, parce que c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. On ne va pas faire les courses. Enfin, si, mais oh, ok. Non, ça sert à quoi le casque? Je sais que là on va se battre contre des bugs comme dans Recoded, mais ça permet de voir les bugs peut-être. Ok, ça aura un intérêt dans ce cas. Autrement, je vois pas. Des faux sans cœur, ça sert pas à grand chose. Salut à tous, c'est moi. Ok. Oh, stylé. Donc c'est un mini-jeu. Ah, je suis pas le seul à y aller. Ah si. Stylé n'empêche comme ville. Ça a l'air énorme. On peut voyager dans toute la ville, ce serait trop bien. Oh, stylé. Désolé. Je m'emporte pas grand chose. Ah non. Ne vous inquiétez pas, on gère. Je veux des points. Ok. Je réussirai le mini-jeu. Et des sans cœur en plus. D'accord, faut aller où? Ah là, là-bas. Peut-être. Sûrement. Ouais, c'est là. On peut changer de rampe. Ok. Let's go. Est-ce que si on passe en plein milieu? Non, ça fait rien. Au contraire, on saute beaucoup trop haut. Ok, ok. Je vois comment ça marche. Les plus grands anneaux sont mieux. Et là, j'aurais par exemple dû changer de côté.
c'est pas grave. On récolte des données, ça reste pas mal. Je pense qu'il fallait aller là-bas. Bah oui, il fallait aller là-bas. Mais bien sûr, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? La ville est énorme. Regardez ça! On est sur une boule géante. Et on détruit tout. On casse les lampadaires et tout. Pas de respect. Ok, terminé. C'était sympa. J'ai pu me balader dans la ville de plein de façons différentes. Je pense que c'était un peu fait exprès pour montrer que je peux me balader comme je veux. C'est un open world ce truc, si on peut se balader partout, clairement. C'est énorme. Enfin, énorme dans le sens... C'est vraiment grand. J'espère que ça va pas être juste des mini-jeux cette zone. J'espère vraiment qu'on pourra se balader parce que ça a l'air vraiment sympa. Ok, bon. Cinématique. Oula, cette Keyblade là, pourquoi? Je l'ai même pas équipé. Est-ce qu'il va avoir les pistolets? Interesting. Gravity. Not binding. Donc il y a des fakes sans cœur aussi qu'on peut tuer. À moins que ce soit des entraînements. Ah oui, il passe en pistolet, c'est pour ça qu'il avait changé de Keyblade. Ok. Hey, wait. My laser hands can be projectiles. Le bazooka. Regardez Sora qui est complètement craqué quoi. Au final, c'est plus ceux qui sont entraînés plutôt que moi, mais c'est pas grave. Sympa qu'ils aient fait des sous-titres de couleurs différentes. Oh, Stitch! Je l'avais oublié. Honnêtement, je pensais qu'on avait toutes les invocations. Ça fait plaisir, j'aimais bien Stitch dans Kingdom Hearts 2 en invocation. Il était vachement sympa. En avant, en ce cas, bah, je vais tenter Stitch. Je tentais déjà la petite sirène à un moment où vous le voyez pas, bah, quand je faisais vite fait les îles en Pirates des Caraïbes. Pas ouf, pas ouf. Mais on va tenter Stitch. Parce qu'il faut bien. Ok. Pourquoi c'est la musique d'Hercule? Pourquoi pas? Waouh! Il s'équipe! Donald veut tirer des rayons laser lui aussi! Ils sont en train de connecter Baymax et Sora. C'est craqué. Ouais. Moi aussi je veux y aller. Ok. Je sais pas par où on va par contre. En avant. Ok. Et du coup une nouvelle mission. Ça va se passer sous forme de mission ce monde. On dirait bien.
En avant. Petit chargement. Parce qu'on cherche toute la map. Peut-être pour ça que ça prend 4 ans à charger. Peut-être. Ouais, je pense que c'est super possible. Ok, bah si ça se passe sous forme de mission, ce sera un peu différent, donc pourquoi pas. Je trouve que c'est dans ce monde-là où on aura les arènes. Oh, ils ont fait des PNJ, incroyable. Et on a Baymax avec nous. Parfait. Stylé celui avec le casque sur la tête là. C'est quoi? C'est parti. En avant. Je vous reprends quand je serai bah en haut sûrement. En avant on y est. On est en haut. Est-ce qu'il y a des ennemis? Il y a personne. Ça a complètement disparu. Ah oh. Stylé, les mêmes mobs qu'avant mais en mode technologique. Ok. En avant, on va tenter le gouvernail du destin, qui est l'arme pirate des Caraïbes. Je sais vraiment pas comment elle marche. Hein. Oh, pas mal ça. C'était parce que j'ai fait une esquive réussie, c'est ça? J'ai cru comprendre. Ça a l'air d'être ma nouvelle attaque. Hop. Là, on passe en mode au vent. Donc oui, ça a l'air d'être une lance. C'est une lance. Oh, pas mal du tout. Ça, c'est des soldats... Non, c'est des soldats normaux, ok. Ok, ça me permet de tirer. Ok, ok. Et pavillon noir. Je sais pas ce que ça fait, pavillon noir. C'est un drapeau. On se bat avec un drapeau. Oh, c'est stylé, c'est stylé. Regardez-moi ça, ces effets. Swag. Foudre XX. C'est très stylé. Là, on commence à avoir des compétences de ouf pour la fin du jeu. Oh là là, j'aime bien ce monde. Peut-être que j'aime bien cette Keyblade. Je sais pas. J'arrive pas à savoir. Coup de grâce. Qu'est-ce que ça fait? Le Kraken. Oh là là, j'aime beaucoup cette arme. L'une de mes nouvelles préférées, je pense. Celle de la Reine des Neiges, en fait, bof bof. Réponse est forte, mais c'est pas ma préférée. Je pense pour l'instant, bah, Yo-Yo, Pierre des Caraïbes, c'est mes préférées. Je pense. Et celle qui tire du miel aussi, j'aime bien. Puis celle de base, je kiffe de base. Un tyrannosaure. Je disais ça pour rire à la base. Non, vraiment, je disais ça pour rien. Genre. C'est pas parce qu'on est sur un truc qui fait très japonais qu'on peut balancer des robots géants et des monstres. Bon, si on a un bras. Ça me fait plaisir en vrai. Ok. Et c'est un sans-coeur, tout simplement. On dirait, ouais. Bon. Let's go. On dirait bien que ça se passe sous forme de mission pour l'instant. Faut dire que la ville est tellement géante que je comprends. Je me perdrais sûrement si c'était pas sous forme de mission. Ouais, ce serait sympa, vous imaginez, ça fait un peu genre à la Monster Hunter où tu as une mission où tu dois tuer un certain type de sans-coeur. Et tu peux revenir à la maison entre temps, genre. Oh, ce serait sympa en vrai. Moi je trouverais pas ça dégueulasse. Pour un monde géant comme ça, ça me va. Mais pour trouver les Mickey, ce serait un peu compliqué. Ok, bon, on met des coups. Ok. Bon, je suis pas très fan de cette attaque spéciale, mais pourquoi pas. Ok, tentons à nouveau cette Keyblade. Oula, oula. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, on va tenter la seconde forme plutôt. Ne vous inquiétez pas, on gère. La glace devrait être efficace sur lui, ou l'eau. Oh oui, ça devrait pas être pas mal. Arrête de crier, Sora. Ça a pas l'air de marcher. Ça marche pas du tout. Bon, j'aurais tenté. Est-ce que ça marche bien? Bon, ça repousse au moins le feu. Ah, ça a marché! Ok, donc trio bouclier et la réponse. On le saura maintenant. Bam 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 bam. Regardez, c'est la nouvelle attaque dont je vous parlais tout le temps. Voilà, où tu mets un coup vers le haut, ça fait piouf et ça fait des dégâts. Hop! Seconde forme. Bam! Tac! Très stylé avec les lunettes, la seconde forme. Ah, tiens, faut taper le volcan. Faut pas mourir non plus. Ça peut être bien de pas mourir, je sais pas, c'est un petit truc que j'aime bien faire. J'aime bien essayer de ne pas mourir. C'est bien, c'est mieux que d'essayer de mourir en fait. Oh, regardez ce volcan. Mais c'est sa tête en fait. On dirait grave que c'est sa tête. Oh là là, c'est cool. C'est stylé comme attaque. Ok, arcane. Et là, on devrait pouvoir l'achever. Oh, méga splash, ça peut être super, super, super utile. Regardez-moi ça, c'est vraiment un film de dinosaure le truc. Ok, où ça? Est-ce que je peux savoir où il est parti?
Ah merci, c'est tombé, j'allais par là. Ok, en avant. On monte sur les buildings. On est en Kingdom Hearts 3 ou là on est juste dans un jeu qui a pas de respect. Qui est là en mode, ouais, on fait des combats de dinosaures avec des robots géants. Et c'est un RPG Square Enix. C'est concrètement le trailer qu'on avait dans le monde Toy Story. Nous sommes dans Verum Rex. J'ai oublié comment ça s'appelle. En mode aéronef de combat, ça c'est bien. Bien joué Baymax pour cette idée de génie. J'aurais pu me servir de ça pour me TP en fait. Pas grave. En avant, c'est un espèce de champignon bizarre. On fait très très mal. On fait très très mal. Allons-y Baymax, on tire. C'est efficace et maintenant, on l'achève. C'est le moment, full speed, eh oui Baymax. Bam. Bam. Bon, c'est un peu décevant comme attaque mais... Fera avec, pas grave. Ceux-là ils sont un peu relous. Je m'occupe de les enlever parce que bah ils sont extrêmement relous. Heureusement qu'on a autant d'attaques qui nous permettent de rester en l'air parce que c'est compliqué sinon. Tech, au vent, c'est parti. Et ça va être fini. Et voilà, Brasier X. Enfin, on a presque tous les sorts en X, il nous manque Rafale. Il nous manque Rafale et soin. Et c'est tout. Ok, qu'est-ce qui se passe? On va voir les bugs peut-être? Ah non, on va voir les progrès de l'équipe, je pense. C'est vrai que maintenant, du coup, ils sont OP maintenant qu'ils ont un peu suivi les conseils de Sora. Oh, c'est efficace. Bien joué ça. Et là-bas, c'est les rayons laser, le gars maintenant peut tirer. Vous pouvez pas faire ça dans le film, hein. Je crois vraiment que c'est une amélioration de Balkan Kingdom Hearts. Bien joué. Ah bah les enflammer. Ah non. Stylé comme attaque. Stylé. Et ça explose quand même. Lui il va faire de la glace et du feu. Il fait glacier lui aussi. Ah ça c'était stupide. Oh stylé. Pas le temps. Et ben Max il a appris quoi? Rocket Punch, jusque là c'est classique. Mais c'est de la qualité par contre. Ok. Clean. Très bon monde pour l'instant, je suis très très fier de ce monde. J'aime beaucoup. Je connais pas le check. Hero taught it to me. So, like this? Ba-la-la-la-la-la. C'était pas terminé. À moins que... Non, je pense que ça va se terminer. Ça doit être pour la cinématique. Il va mourir sûrement pour la cinématique. Hero, t'as appris quoi? Can't we pick on one our own size? It looks the right size to me. Watch me scorch him with my freeze-nado! The only tornado made of ice and fire. T'en ardente, j'aime bien. And the wrong captain of the guard. Prepare to face Keyblade Hero 3. Oh, Donald! And the crime-fighting team of Big Hero 6. Together, we're unstoppable. Yes! Et c'est une win. Ok. Et le pont reva très très bien. Tout est clean. Tout le monde est heureux. Tout le monde est content. Tout le monde fait la fête. Oh, une glace au chocolat. Ah, Donald. Enfin. Étudier la magie de Donald, ça peut être très fun. Moi aussi je veux voir ça. Your brother? Yeah, Tadashi. There was a fire and now he's gone.
But he always wanted to make a difference. He cared about people. That's why he worked so hard to create Baymax. I'm sorry. He's still here. In Baymax. In all of us. Oh, ça me donne faim. Tadashi, he lives on in your hearts. Huh? Yeah. Right. He will always be a part of us in some way. Ça va, il a entendu j'aime quelqu'un, il a fait oh, ton cœur. And when you're not strong enough, he'll make up the difference. Oh. Désolé. Sora, you okay? Yeah. Vivement que ça se revienne. Ça m'a rappelé qu'on essayait de le faire revenir. I'm with you. Il est tellement gentil sur tout. Tout ce qu'il y a associé au mot gentil, c'est Sora. Pauvre que ça s'en rêve, putain, quelle sale vie il a eu. Il avait des amis et tout, mais genre c'est triste que son destin ça a été de revenir en Sora. Heureusement que Sora est là pour l'aider. Oh les bugs, les voilà. Oh, cette musique. Oh, cette musique. Oh, cette musique. C'est la musique du combat contre les 1100 cœurs. Je vous avais déjà dit à quel point ce combat était mémorable. Pour moi, c'est genre le climax de Kingdom Hearts 2. C'est le moment où tout se déclenche. Et dans Kingdom Hearts 3, on sera bientôt au même point en fait. Sauf que ça sera à la fin en même temps. Kingdom Hearts 2, c'était genre à la moitié du jeu. D'un seul coup, tout s'est déclenché. T'as appris que Xehanort, c'était Xemnas. T'as eu une bataille contre les ennemis. T'as appris le but des ennemis. T'as appris plein de trucs d'un seul coup. Les micro-robots. Kind of a mini bot I invented. Some bad stuff happened and I thought that meant they were totally gone. But those enemies are way too similar. C'est pas la même chose. Which means someone's controlling them. The question is who? Could it be? I'm gonna go back to the garage and look into it some more. You mind going after him? Sure. Ils doutent peut-être que c'est le premier Baymax qui va revenir. We need you on the science-y stuff. Baymax? Stick with them. All right, Hero. Sora, Donald, Goofy. I will be your personal healthcare companion. Je pense que tu vas plutôt mettre des tartes. Et la tarte, c'est très bon. Thanks, Baymax. We're in good hands. Come on. Dites-moi que la musique elle reste. Je suis heureux. Je suis heureux. Mais nous, on va... Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? On va se laisser là. Prochain épisode, je pense qu'on devrait être en mesure de terminer le monde. Ça a l'air d'aller très très vite à partir de maintenant. On va pas faire beaucoup d'ellipses depuis Pirates des Caraïbes. Genre on arrive sur des mondes où il y a beaucoup de cinématiques et beaucoup d'histoires, pas grand chose à cut, donc voilà. Et bon, nous on se retrouve la prochaine fois pour soit l'avant-dernier épisode, soit l'avant-avant-dernier, je sais pas combien de temps durera la fin non plus de Kingdom Hearts 3. Mais voilà, et du coup moi je vous dis à plus, et à la prochaine, zou. Moi j'ai faim, faut que j'aille manger quelque chose.